Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur le Inktober 2020. Nouveau mot, nouveau dessin. Aujourd'hui c'est le 8e jour. Le mot c'est TIF, qui signifie la dentition, les dents en français. J'ai rapidement trouvé une idée, j'ai pas cherché à me torturer l'esprit pour trouver quelque chose d'original. Les dents, ça renvoie à chez le dentiste. En général ça fait un peu, voire très mal pour certains. Et c'est sur ce point-là que j'ai décidé d'axer le dessin d'aujourd'hui. On se retrouve donc avec un dentiste assez particulier, puisqu'il n'en est pas vraiment un. Il est littéralement en train de bricoler dans la bouche de son patient, et je pense pas que celui-ci prend réellement du plaisir à subir cette intervention, à mon avis. Pour ce 8e jour, j'ai utilisé 3 images de référence. Une salle de consultation pour avoir une idée de à quoi ressemble un siège médical, et une photo de bricoleur et donc de perceuse pour m'aider dans l'équipement de mon dentiste. Si on regarde bien, j'ai mis les dents de mon personnage au centre de la page, puisque l'illustration du terme doit être voilà, importante. Vu que l'élément est tout petit, ses dents sont toutes petites par rapport au reste, j'ai décidé de le centrer pour que, voilà, encore une fois, tout converge vers l'élément important. J'avais déjà fait ça dans les dessins précédents, pour le jour 2, etc. Donc voilà, c'est le même procédé, comme à chaque fois, de mettre le mot au milieu pour bien le mettre en évidence. Je suis assez content de ce dessin-là, en même temps c'est normal, il y a beaucoup de détails comme pour le jour 5 par exemple. Je pense qu'en général, de toute façon, je préfère les dessins qui ont plein de petits détails, plein de petits trucs qui font que le dessin a l'air beaucoup plus complexe. Voilà, je le dis parce que j'ai tout le temps une préférence pour les dessins qui ont plus de détails. Donc voilà, à chaque fois en fait que je dis que j'aime bien un dessin, c'est à cause de ça. Et puis pour la pose allongée du patient, je pense que malgré sa complexité, je me suis pas trop mal débrouillé. Par contre, la pose du dentiste, enfin du bricoleur, est un peu trop statique. Je pense que c'est dû à ses jambes qui sont un peu trop alignées. Malgré tout, je suis content de ce dessin. C'est tout pour ce 8e jour. Je vous donne rendez-vous avec le verbe « throw » qui signifie « lancer » ou « jeter » en français. J'espère vous avoir inspiré et si possible, donner envie de dessiner. Partagez-moi cette vidéo un maximum, ça ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. À demain pour le jour 9.